Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Comme c'est marqué ici, mais que la fenêtre est un tout petit peu trop petite en 720p pour le voir, c'est dommage parce que je l'ai dessiné en 1080 et je me rends compte que ça ne marche pas. C'est pas grave, c'est un moyen que j'ai trouvé pour vider le donjon de quelques têtes de gobelins et hobgoblins. Et comme on devrait pouvoir le voir par ici, il n'y a plus rien dans ce donjon et il y a ça, de la Dead Stone. Première fois qu'on en voit, et aussi le dungeon room qu'on voit ici n'est pas refait ici, donc je ne sais toujours pas exactement à quoi ça correspondait. Mais maintenant que c'est vide, qu'il y a des gens ici, qu'il y a de la farine qui est en train de se faire, j'espère. Oh, on va peut-être booster ça. Il y a quelques nouvelles maisons ici. D'ailleurs, celle-ci à qui il manque une porte. Voilà. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que personne ne l'habite. Nous avons 38 vitoyens. C'est plutôt impressionnant. Ça commence à faire beaucoup. Alors, bon, on va dire 15. On verra bien ce que ça va donner. Ça, je sais pas encore si ça va être bien ou pas. J'ai mis un petit toit sur la boulangerie ici. D'ailleurs, hop, on va tout transparenter. Là, il y a un peu de trucs qui sont... Ouais, il y a un peu de trucs qui sont faits. Donc, j'espère que 15, ça va suffire. On sait jamais. Au cas où, on va faire ça aussi. On va récolter quelques pommes. Comme ça, au moins, ils auront à manger. Donc, il y a un nouveau petit pont ici. Une petite route verte. Quelques petites... maison, voilà, donc celle-ci va avoir un toit, pouf! Et donc, eh bah, immédiatement, dès qu'elle a un toit, un vitoyen arrive. C'est quand même plutôt pratique, ces vitoyens. Donc voilà, donc maintenant que tout a été ramassé ici, on va supprimer les stockpiles. Parce que comme ça, ça évitera qu'il y ait des problèmes de vitoyens morts et autres joyeusetés comme ça au cas où, au million qu'on a beaucoup de spiderite, de hobgoblinite, de goblinite. C'est la foire. Voilà, donc ça, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors là, je sens qu'il y a un... Non. Alors, pourquoi ils déplacent ça ici? D'accord, je pense en fait qu'ils le déplacent parce que je n'avais pas encore fait la... la stockpile à cet endroit-ci. Et donc je pense qu'il y a encore une stockpile de test ici, voilà. Voilà, parfait. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc ce qu'on va faire maintenant, hein, c'est que je vous propose que tout de suite on fasse une échelle et qu'on pose une échelle ici. Donc on va aller voir ici, quelqu'un va découper du bois. Sûrement, peut-être, éventuellement, possiblement. J'ai plus d'adjectifs pour dire ce genre de truc, donc je le dis plus. Il y a quand même beaucoup de pain qui descend, là. Nous n'avons plus de ruit. Voilà, quelqu'un découpe un peu de bois. Ah, vous voyez que je vais avoir raté la mise en place de l'échelle. Je le sens venir. Ça, bizarrement... je le sens bien. Peut-être que... Voilà. Frédéric... machin vient de faire l'échelle. Nous allons assister sûrement en direct live de semi-différé à la mort du premier héros. Hein, parce que... Hop. Normalement, on devrait pas trop tarder pour avoir des héros qui vont tenter de descendre là, parce qu'ils devraient se rendre compte que c'est ouvert... très prochainement. Hop. Ouais, je ferme les portes aussi. Enfin, oui, je ferme la porte qui est au milieu de nulle part. Ah 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 ah. Peut-être que notre héros s'adonne. Non, je ne sais même pas comment il s'appelle et je n'arrive pas à le pointer. S'adonne. Va descendre et va foutre sur la gueule du Direwolf. Et vous voyez que je me suis quand même super bien mis ici, dans un petit trou. Alors là, franchement, je m'auto-félicite, puisque vous pouvez pas me féliciter en semi-direct live de léger différé. Je trouve que j'ai quand même foutu mon entrée à un endroit qui est super parfait, extraordinaire, génial, pour là où il faut qu'il soit. Ouais, j'aime bien me jeter des fleurs en ce moment.
Et donc là, on commence à visitationner cet étage. Et donc on va voir mes pièges qui vont fonctionner ici. Paf. Voilà, donc ralenti. Mange-toi le beer trap dans la gueule. Schlack. Stunned et bleeding. Ralenti toujours. Bam bam. Ralenti. Stun et bleeding. Bleeding, slow, stunned. Allez, hop, mange. Donc ralenti. Mange-toi le truc. Et paf dans ta tronche. C'est quand même plutôt rentable. Puis d'ailleurs, tant qu'on y est, hein, on va en profiter. Hop, hop, hop. Et un peu de ralentissement ici, là. Et pourquoi pas ici? Et puis là, là et là. Voilà. C'est offert par la maison. Ça me fait plaisir. Et donc, j'espère que ça va se connecter. Ah zut, j'avais espéré trouver du silver ou du gold. Mais ça va pas être tout de suite. Bon, bah maintenant, il n'y a plus que les héros ne se rendent compte qu'il suffise d'aller par là pour défoncer la tronche de tout le monde. Bon, on va détruire ça aussi hein, en passant. Et bah, je propose qu'on fasse... qu'on attire encore des vitoyens. On risque d'avoir un petit problème technique de nourriture si je commence à attirer plein de vitoyens, mais bon. On verra. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Absolument rien. Mais vraiment rien du tout de rien. Hop. 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 Et hop. Parce que forcément, plus j'ai de vitoyens, plus j'ai de zéro. Et plus j'ai de héros, bah plus je suis content. Hop. Alors, des murs. Maintenant, c'est la blague parce que je ne me rappelle plus du tout la couleur de mur que j'ai mise. En même temps, je pense que ça ne devrait étonner absolument personne dans l'assistance que j'ai complètement zappé la couleur de mur que j'ai mis. Ou alors si ça étonne quelqu'un, c'est que c'est un nouveau subscriber et bonjour à toi. Non. Raise. 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 Bon. Mur en décrochement. Vitre, 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 vitre. Vitre, 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 vitre et vitre. Puis quelques portes aussi. En même temps, j'essaie de surveiller le log pour voir s'il n'y a pas des héros qui meurent. Mais ça n'a pas encore l'air. Puis lit. Toc, toc, toc. Et petit coffre de décoration personnelle. Donc, coffre... là, là, et ici. Là, j'ai dû rater la porte. Ou alors, c'est une baraque qui va se retrouver avec deux portes parce que j'ai fait n'importe quoi. L'un ou l'autre. Et allons voir... ah ouais, quand même. Ça commence à se faire visiter ici. Beaucoup d'iron, mais j'en ai pas besoin. C'est quoi ça? Pourquoi c'est tout jaune? Ah bah oui, c'est tout jaune ici parce qu'il y a un minerai sur la minimap. Je pense que c'est la réflexion que je m'étais déjà faite la dernière fois. C'est pas grave. On va oublier le fait que je me répète. Ce n'est pas excessivement important pour la suite de cette aventure. Puis j'aime bien me répéter. Ça doit être mon côté prof qui fait que je me répète beaucoup. Donc du coup, on va augmenter le pic de blé. Houston, nous n'avons plus de pain. Houston, grand format. Nous avons un gros problème. Alors, pourquoi est-ce que ça qu'on a plus de pain? Uh-huh.
On n'a plus de pain parce que je pense qu'on n'a plus de farine. Et pourquoi ça est-ce qu'on n'a plus de farine? Pourtant ils sont tous en on. Oui, on. Pourtant il y a plein de blé ici. Alors je pense que j'ai dû faire quelque chose qui est de priorité supérieure, mais pourtant c'est de prix. La priorité supérieure, c'est cuire et récupérer. Puis avec le nombre de vitoyens que j'ai quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit superviseur. Voilà. Puis on va en faire un deuxième. Un homme et une femme. Respectons la parité dans la ville. Parce que la parité, c'est aussi très important. Parce que c'est important. Alors là, c'est le drame. Si, il y a un petit bout par là, parce que là, tout est visité, il y avait des... Super! J'ai pas l'impression de m'être fait arnaquer en arrivant dans cette cave. Pas du tout, de jamais très loin. Mais... Ah là! Ah oui, aussi, il faut que je fasse un petit peu de route. Hop! Viville! Ah, je suis content de mon signe. Vous pouvez pas savoir, c'est tellement ridicule que... Pourquoi il n'y a pas de pain? Bon, on va réannuler ça pour le faire se concentrer au pain. C'est vraiment, vraiment pas facile de faire la balance de la nourriture à chaque fois qu'on rajoute des vitoyens, ça pose un problème. C'est vraiment absurde. Donc eux, ils ont découvert qu'il y a un passage là ou toujours pas? Apparemment toujours pas, parce que ça doit être un peu compliqué pour eux. Donc on va miner ici, en espérant ne pas perdre 28 vitoyens dans la bataille du minage. On va bien voir, est-ce qu'il y en a un qui descend? Apparemment pas. Bon bah si on entend un de vitoyens qui meurent, hein, on va savoir que c'est parce qu'il y a eu un petit problème technique à cet endroit-ci. Donc la nourriture, est-ce qu'on va vivre en direct une autre famine de la ville? Pour le moment ça n'a pas l'air, mais c'est extrêmement juste. Mais pour le moment, effectivement, ça n'a pas l'air d'être encore un problème de famine. Alors, ils font des murs, ils font des trucs, ils font des machins, ils font des bidules. Mais ils font pas méga de la bouffe. C'est des pas gentils vitoyens, ça. Vraiment des pas gentils vitoyens. À un moment, on se retrouve avec de la farine partout à plus savoir quoi en faire. Et juste après, on se retrouve avec plus rien, à ne plus savoir quoi en faire non plus, parce que de toute manière, il n'y a plus rien. Donc là, il y a quoi? Il y a du ruit. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je voulais aller voir ici. Ah bah dis donc, ça va mettre des milliards d'années, hein. Vous allez voir tout ça pour voir qu'en fait, ici, il n'y a rien. Il y a juste un pauvre truc qui arrive ici et qui bouge pas plus loin. Je le sens venir, ce truc. Il est tellement bien. Il manque encore un peu de mur. Hein. Et c'est là où je vais me rendre compte qu'en fait, il n'y a plus de cailloux dans ma réserve de cailloux. Non, c'est bon, on a le temps, ça. Allez! Ah bah merci, Fendrel. Là, je le sens mal. S'il n'y a pas un petit couloir ici, je vais rager tout seul. Mais vraiment. Allez, hop, hop, hop. Ah là 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 là. Bon, est-ce que mes superviseurs ont un effet sur la production de pain? Ça n'a pas l'air, franchement. Bah bon, je sais qu'ils ont un effet, effectivement, mais ils diminuent la joie de vivre des vitoyens aussi. Ce qui va peut-être peser dans mon tentative d'attirance de nouveaux vitoyens. Enfin, ça, on verra. Hein. Il y a
plein de pics de tête qui montrent que je protège bien mes vitoyens. C'est la meilleure pub qu'on puisse faire, mettre des pics partout. Voilà. Donc ça, c'est rien. C'est bêteta. Je vais perdre des vitoyens à faire ce genre de truc. Bon, c'est bien. On a visité un 100 000ème de ce qu'il y a à visiter et... Allez, hop. Est-ce que je vais avoir un immigrant dans cette nouvelle personal room qui a maintenant un toit? Toi qui, comme on peut le remarquer, est assorti la couleur des tuiles, mais pas la couleur de la route. C'est vrai, j'admets. Et vous pouvez voir aussi que dans la date, ça va bientôt faire un an que cette V-ville est... bien existe et vit. Bon, ça serait mieux s'ils faisaient plus de pain quand même. Parce que là, je leur demande quand même pas de faire grand chose d'autre. Et je pense qu'on doit être... ouais, on est en galère de pommes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter tous ces pommiers-ci. Hop. Ah là là. Est-ce qu'on n'aurait pas atteint une taille quasi critique de cette blague? Non, puisque normalement du ruit, je peux en récupérer encore beaucoup. En même temps, c'est vrai qu'une ville qui vit de pommes et de pain, ça doit pas être joli tous les jours. Hein. Il doit manquer quelques vitamines et autres trucs qu'il faut pour vivre. Mais je pense qu'on va se laisser par ici assez prochainement en se disant la prochaine fois on va peut-être vivre une grande famine ou une grande découverte à la suite de son long chemin obscur. Mais là-dessus, bah, je vais vous dire bonne journée, bonne soirée. Hein. Comme d'habitude, mettez ce qui correspond au moment où vous êtes dans votre journée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Véville. Salut !